Parashat Korach, il y a le fameux sujet de la machloket, et on en a déjà parlé une des années précédentes. Combien est grande la gravité de la machloket? Aval, aujourd'hui on va parler d'un autre point, la gravité de la letzanut. Chazal disent dans Menachot, sur le pasuk, Ele toldot hashamayim vehaaretz behibare'am. Chazal disent behibare'am behe bera'am, que le olam hazeh a été créé par la lettre he. Et c'est pas pour rien que ça a été créé par la lettre He. Si ça a été créé par cette lettre, c'est que le Olam Hazeh entier est dirigé par cette lettre. Au niveau du sod qu'il y a dans la lettre, au niveau du pshat, au niveau de la forme aussi qu'il y a dans la lettre. Quand Hachem a créé ce monde, son Olam Hazeh, son Olam Haba, avec des lettres, c'est que la mahout, l'essence de ce monde en tout cas, et enraciné dans la lettre He. Et qu'est-ce qu'il y a au niveau de la forme de la lettre? Asrazan nous dit, cette lettre He, à quoi elle ressemble? À une arsadra. C'est quoi une arsadra? C'est une forme de grande cour, grande pièce, qui est fermée de tous les côtés, et qui est ouverte sur le Reshut Arabim. Et une grande porte. Pareil, la lettre He, c'est une pièce, mais elle est ouverte. En bas, c'est pas comme un même sophite. Pour nous apprendre quoi? Que dans le Olam Hazeh, puisqu'il a été créé avec cette lettre, tout celui qui veut sortir, il peut sortir. Il peut sortir. Il y a la possibilité de sortir, on n'est pas enfermé. Quand on dit sortir, c'est sortir dans le mal. Top! Alors pourquoi le pied de la lettre He est suspendu? Pourquoi il n'est pas comme le Chet? Tu dis que c'est une arsadra, c'est une pièce. Une pièce, ça aurait dû être comme le Chet. Pourquoi il est suspendu? Hachem aurait dû créer ce monde avec la lettre Chet, pas avec la lettre He. Si, c'est pour nous enseigner que celui qui veut quitter son monde de Torah, son monde de Avodat Hashem, de Kedusha, il peut le faire. Alors, crée ce monde avec la lettre Chet. Pourquoi avec la lettre He? Diyadar bitchuva ma'ilele. Pour te dire que si jamais il veut faire tchuva, alors on peut le faire monter. Il y a un passage, il y a une porte de secours arrière, ou là-bas, on peut le récupérer. La Gemara demande, on aurait dû le faire passer dans cette même porte. Il y a une porte de sortie. La porte de sortie, c'est qu'une sortie? Il y a des endroits où oui. Il y a écrit sortie, tu viens pour rentrer, tu peux pas. Il y a écrit entrée, tu viens pour sortir, tu peux pas. Il faut une autre porte, c'est ailleurs. Ah ben, les portes en général, c'est une sortie, c'est une entrée. Alors de la même façon que cette porte sert à sortir, ça peut servir aussi à rentrer. Pourquoi il y a besoin d'en créer une autre? Et la Gemara répond, la mistaya milta. Ça ne marchera pas. Ça ne peut pas marcher. Il ne peut pas rentrer avec la porte par laquelle il est sorti. Keder Rish Lakish, Damar Rish Lakish, un pasouk dans Michelet. C'est Shlomo HaMelech en vérité qui nous dit ce Yesod, Aval Rish Lakish qui l'explique. Im la letzim ou yalitz ve la anavim itenham. Si quelqu'un il veut être letzan, il veut être plaisantin, on le laisse faire ses rigolades. Ah, vas-y, quelqu'un il veut être anav, il veut supporter l'or lamazé, il veut supporter le joug de la Torah, le joug des mitzvot, la atmada, les midot, il veut supporter les situations, les épreuves dans lesquelles il se trouve. Il est là, c'est dur, mais il est prêt à supporter ça, la anava. Mais ça y est, imoto. Alors dans ce cas-là, on lui donne du chen, on lui donne la grâce, on l'aide. Abba l'itaer, mais ça y est, imoto. Abalitame, potrinlo. Celui qui veut être taor, il aura une aide du ciel. Celui qui veut rester tamé, alors qu'il n'allait pas croire qu'on va lui mettre
des bâtons dans les roues. Non, celui qui veut être tamé, potrille, c'est ça la sortie de ce monde-là. Et le Sirat Moussar, Allah Bachalam, explique un grand yesod dans ce Mahamar de Khazal. Qu'est-ce que ça veut dire, Kol Arotzel Atzet? Je vais expliquer un peu plus en détail ce qu'il dit. Tout celui qui veut sortir, peut sortir. Ça veut dire quoi, tout celui qui veut sortir? Et là, comme ça. Il y a deux manières de faire sortir une personne d'un endroit. Il y a une pièce, on veut le faire sortir. Deux manières. Première manière, qu'il sorte lui-même. Voilà la sortie, monsieur. Il sort, il dit colle tout. Deuxième manière, c'est qu'on le fasse sortir. Alors là, on vient, il faut un peu de force, et on commence à le pousser, doucement, doucement, pour le faire sortir. Et là, s'il arrive à le contrer, alors chacun maintenant va essayer de gagner un centimètre. S'il a perdu, alors on l'a mis dehors. S'il a gagné, il est resté. Quelle est la manière naturelle de ce monde? Ce monde a été créé de quelle façon? De telle sorte à ce qu'un homme soit sorti de lui-même ou qu'il reste? Nous dit le Rav, c'est Mara. Le Yetzirah, comment il travaille? Le Yetzirah, il travaille, ayom omer lo kach, umachar omer lo ase kach, aujourd'hui il fait comme ça, demain il fait comme ça. Le Yetzirah travaille petit à petit avec l'homme. Ça veut dire que l'état normal, naturel de l'homme, dans l'avodat Hashem, est d'y rester. Et pour le faire sortir, ça prend beaucoup de temps, c'est beaucoup de travail pour le Yetzirah. Yetzirah, c'est pas facile pour lui de faire quitter la Torah à un juif. C'est pas facile. Il y a beaucoup de travail. Et il sait très bien travailler, il va très doucement. Si Baruch Hashem, on fait nous aussi attention, Kadosh Baruch Hu nous aide, et on voit de temps en temps où il veut nous emmener, et on se reprend. Oui, il a réussi à gratter quelques centimètres, il a réussi à nous pousser presque, pour certains, jusqu'à la sortie, mais tout de suite on peut se reprendre, hop, on le repousse jusqu'au bout. On rentre à l'intérieur. Mais c'est ça son travail. Doucement, doucement. Aujourd'hui fait comme ça, demain fait comme ça. Et un homme ne fait pas attention qu'il est en train de descendre d'un degré, si c'est en midot, en gava, en mitzvot, en ta'avot. On ne fait pas attention. Un homme passe d'un un petit peu de ta'ava à un immense, jusqu'à même à ta'ava interdite. Il n'a pas fait le lien entre les deux. C'est parti doucement, doucement, jour après jour. Ça peut prendre 10 ans. Pareil dans les midot. Un homme, Korach, il n'est pas devenu Korach d'un coup. Contre Moshé, comment? Qu'est-ce que... C'était depuis le Talmud Torah, depuis le Beth Midrash, depuis la Yeshiva Ktana. Il y avait chez Korach cette graine-là. Mais il entendait des cours de Moussa. Il entendait quoi. Aval, il se faisait pousser petit à petit, cette graine-là, et ça, elle a grandi. Et d'un coup, on a une paracha en plus dans la Torah, Korach. C'est de la gava. Comme ça travaille le médecin. Doucement, doucement, doucement. Il faut être prudent. Ça, c'est l'état naturel de ce monde. C'est pour ça que ce monde, il est créé comme une arsadra. On est dedans. On est dedans, on est préservé par trois murs de Torah, de mitzvot, et c'est ça le olam d'Akadosh Baruch Hu. Eno l'Akadosh Baruch Hu be'olamo, mais la arba amot shel avraham. Ça, c'est le monde. Le monde est être intérieur à l'intérieur de l'arsadra de la Torah. Et on peut y rester si on sait faire face un petit peu au Yetzirah, on fait attention, il ne peut pas nous mettre à la porte. Impossible. Zer olam. Mais il y a un autre moyen de sortir. Comment? Ça. On peut sortir de soi-même. Chez Kol Arotze Latset, Yotze. Celui qui veut sortir, il peut sortir. Et là, la sortie est d'un coup. C'est-à-dire maintenant, il est là. En une seconde, il est dehors. Dehors, c'est quoi? En dehors du hé. Il n'y a plus de barrières, il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de limites. Là-bas, le Yetzirah, il n'y a plus de travail à faire. L'homme de lui-même descend au plus bas qu'un homme puisse descendre. Il n'est pas limité par aucun encadrement. Maintenant, s'il veut revenir, une fois qu'il est sorti, il va faire tchouva, il veut revenir, il ne pourra jamais revenir par la même porte. Impossible. S'il est sorti de lui-même, il ne pourra jamais rentrer par la même porte. Kadosh Baruch Hu lui a donné à lui par Nes un moyen de revenir,
Mais pour ça, il faut une porte arrière, une porte secrète, cachée. Là-bas, Kadosh Baruch Hu vient et le monte. Alors, ce qui nous concerne, c'est pas comment on revient, c'est qu'est-ce qui fait sortir. On a dit, si un ami veut sortir, il peut sortir. Alors, qui c'est qui veut sortir? Qui c'est qui veut sortir? Personne ne veut sortir. Alors, qu'est-ce qui est tellement dangereux qui peut faire sortir l'homme de ce monde d'un coup? Azlorav ici dans Sirot Moussa dit qu'il y a beaucoup de choses. Une d'entre elles, c'est la jalousie, la kin'a. Comme c'est écrit dans Pirkei Avot, Shoshan Varim Motsim et Adam Min HaOlam. La kin'a va ta'ava va kavod. Motsim et Adam Min HaOlam, c'est ça. C'est quoi Motsim et Adam Min HaOlam? Le sortir du ré. D'un coup, c'est quoi? La kin'a, la jalousie. La jalousie, ça vient de la gava. Et c'est ça Korach. Comme Chazal nous disent, Mara'a Korach l'achlok al Moshe. Regardez comment le Rav va expliquer ça merveilleusement. Réponse, d'abord la question c'est quoi? Mara'a Korach l'achlok al Moshe. Qu'est-ce qu'il a vu Korach pour être relègue sur Moshe? Qui? Sur Moshe Rabbeinu être relègue. Moshe Rabbeinu. Ech, ma ta roe, je vais l'achlok al Moshe. Il explique le Sirot Moussa, c'est quoi la question? Ech, ou yatsa me'a olam. La chloque al Moshe Rabbeinu, c'est sortir du Olam. Celui qui est choleg sur la Torah, celui qui est choleg sur le donateur de la Torah, celui qui est choleg sur un rap ou pashut yotseme en Olam. Maura'a la chloque al Moshe. Comment il est arrivé à une bêtise pareille? Comment il est arrivé à être aussi aveuglé, Korach? Réponse. Nitkana al Nisi Oto Shelitzafan Benouziel. Quand Moshe Rabbeinu s'est nommé lui-même roi. Lui-même, c'est Alpi Hashem. Il a nommé Aaron Kohen Gadol. Et ensuite, le troisième poste à donner, Korach dit, c'est à moi qu'il aurait dû le donner. Par contre, si on parle par rapport à la hiérarchie, par rapport au poste que chacun doit recevoir, Korach, il s'est dit, et c'est normal, c'est comme ça que ça devait être, dans les liens de parenté, c'est Korach qui aurait dû recevoir ce poste-là. Merci, Michel et Lévi. À qui il a donné Moshe? À Elitsafan ben Uziel. C'est pas normal. C'est pas normal. Pourquoi lui, il a pris le poste? Ça a éveillé chez lui la kina. Comme on a dit, c'est pas d'un coup. Oui, c'est pas juste ça qui a fait que tout d'un coup, Korach. Il y a plein de choses où parfois un homme, il est jaloux. Il va pas aller contre Hachem et contre Moshe. Mais chez lui, il y avait cette graine-là qu'il n'a pas travaillée. Et quand est arrivée l'épreuve de la jalousie, paf, en un instant, Korach est sorti du Rolam. Il y a de ça dans le Rolam. Il bête et ta Rolam chez l'homme. Jusqu'à aujourd'hui. Il bête et ta Rolam abba. Et ta Rolam zèv et ta Rolam abba. Jusqu'à aujourd'hui. Il faut que ça nous fasse peur, cette chose-là. Un homme avec des midot, c'est quoi qu'il a? C'est midot. Il n'a pas été Mechalel Shabbat, il n'a pas fait un rayot, il n'a pas eu de midot. Chez le Kina, ça l'a poussé jusqu'à aller contre Moshe. De quelle façon il a fait ça, on va voir. À partir du moment où Korach il est sorti de son Olam, ça y est, la Kina l'a fait expulser de la lettre He. Il n'est plus entouré d'aucune barrière. Et là, à partir de ce moment-là, s'il n'y a plus de barrière, eh bien on fait ce qu'on veut. Même jusqu'à aller contre Moshe. Ben, ça existe. Il faut comprendre, c'est impensable d'aller contre Moshe. Il faut se mettre là-bas dans leur... Dans le scénario, on était en Égypte, on est sorti d'Égypte, on a vu la manne, on a vu les miracles, on a vu Zem. Moshe Rabbeinu est monté, il est descendu, il a donné la Torah, il parlait. Kadosh Baruch Hu, il l'a fait passer dans un couloir dans le ciel. Tout le monde voit ça. Il faut comprendre. Qu'est-ce que c'est être relec sur Moshe? Aller voir Moshe et lui dire comme presque Routspan, tu me donnes pas à moi le poste? C'est de la folie de faire une chose pareille. Korach était quelqu'un de très intelligent. Korach, l'artiste de la voix, c'est un tzaddik. Tzaddik, katama, ifrach, sauf et tevot, Korach. Korach, c'est une grande neshama. C'est pas quelqu'un de bête. Comment quelqu'un de si intelligent, de si yereshama, il peut arriver à une bêtise pareille? Comment c'est possible, juste pareil? Ça doit nous faire peur. Comment chacun de nous est très très faible, peut, chas v'shalom, du jour au lendemain, faire des bêtises? Chazal, Baruch Hashem, nous disent, c'est quoi la jalousie?
La quina. Une quina qu'il n'a pas travaillée. Il a laissé se développer chez lui. Cette quina-là, petit à petit, elle a porté son fruit. Et voilà Korach est expulsé du monde. Tov. On l'a compris pour Korach. Mais il n'était pas seul dans l'affaire. Il y en avait avec lui 250. 250 de la tribu de Réhouven. Askorach, on a compris, la gava, la jalousie, il a perdu son monde. En soi, c'est déjà un grand ridouche et ça doit nous frapper, on doit faire attention à ça. Mais la grande kouchia, c'est les 250. Quel rapport? Quel rapport? Qu'est-ce qu'ils veulent, le Birka? Et qu'est-ce qu'ils ont demandé, les 250? Être Kohen Gadol. Ça, c'est une blague. Celui qui n'y a pas un chat, c'est une blague. Un Kohen Gadol, il peut avoir que un. Comment 250 veulent être Kohen Gadol? Comment c'est possible? De un. De deux, chez eux, il n'y a pas eu la kin'a. Il n'y a pas eu le poste. Y a pas eu, c'est Korach qui le voulait. Mais Korach, il ne peut pas faire son idée, son projet. Il ne peut pas faire tout seul. Oui, il ne peut pas venir tout seul. Il faut qu'il y ait des renforts. Alors, il est parti chercher 250 qui sont venus en tant que renforts. Mais eux, pourquoi ils sont venus? Voilà, le ridouche est encore beaucoup plus grand. Et Chazal aussi, ça nous dévoile. Baruch Hashem qu'on a Chachamim, Baruch Hashem qu'on a la Gemara, Baruch Hashem, comment on pourrait vivre sans la Gemara? Comment on pourrait vivre? Chazal vient nous dire, regarde, ça c'est attention parce qu'il y a eu ça, ça attention parce que tout, il nous explique. Comment ces 250, ils sont arrivés à ça? Chazal aussi, ils viennent, ils nous expliquent. Sans eux, on serait perdus. Ils viennent nous dire. Bon, et Makatouv les Marla. Avant la parasha de Korach, qu'est-ce qu'il y avait? Tzitzit. D'accord? La fin de Shlach Lecha. Tzitzit. Bor et Makatouv les Marla. S'il y a Korach à côté de Tzitzit, c'est que c'est de là que c'est parti. Tzitzit, ça peut entraîner Korach. Comment? Korach était très intelligent, comme on a dit. Maintenant, il doit monter une miflaga. Comment on dit? Un parti politique. Oui, pour être Oleg sur Moshe, il faut monter un parti politique. Comment je monte un parti politique? Tout seul? C'est moi, le Yoshev Roche, de la Miflaga, et voilà, je me représente moi-même. Il faut représenter un public. Il faut construire ce public. Comment je construis ce public-là? Regardez comment il était intelligent, Korach. Regardez comment il était intelligent. Va construire un parti politique contre Moshe. Et que le peuple te suive. Il a mis derrière lui, pas que les 250. Si vous regardez la paracha, après que Korach est tombé, il est mort. Tout Am Israël sont venus se plaindre chez Moshe. C'est quoi tout ça, contre Korach? Pourquoi Korach il est mort? Après qu'ils sont morts. Après qu'on a vu le miracle, comment il est mort. Regardez la paracha. Tout Am Israël sont venus voir Moshe. Et Aaron, c'est quoi? Vous tuez tout le monde? Une rébellion. Kadosh Baruch Hu, il a dit, Achale Otam Keraga. Pousse-toi, je vais tous les tuer. Ça, c'était après que Korach soit mort. Pas avant. Et là, Moshe Rabbeinu va épiler le péné, ils ont pris vite la ktoret et ils ont commencé. Il y a eu des morts. Il y a eu beaucoup de morts. Aval, avec la ktoret, c'était contre le Malach Mavet, disons. Donc Korach a réussi à faire tomber tout le monde. Comment il a fait une chose pareille? C'est quoi sa chokhma? Atrazal nous dévoile. Il est parti voir Moshe Rabbeinu. Il n'est pas bête, oui. Lui-même, ce qu'il dit, c'est du bluff, comme tous les politiciens. C'est du bluff. Okay. Mais il faut dire des arguments pour faire tomber, pour amener du monde. Comment il a amené du monde? Il est parti voir Moshe. Il a dit, Moshe Rabbeinu, j'ai une kouchia. J'ai une kouchia. Kvodarav. Il y en a, il parle comme ça. La kol litzanout. La kol litzanout. Kvodarav. J'ai une kouchia. J'ai une question. Oui, quelle est ta question? Vodarav, dites-moi, un talit qui est fait entièrement de trellet. On a une mitzvah de mettre un fil de trellet dans un talit avec de la laine blanche. Si le talit est que trellet, tout, il n'y a pas un fil blanc, tout bleu, il faut mettre le trellet Vodarav. Alors Rav répond quoi? Oui. Mon cher Abinou, on dit oui, rien. Pas souk. Canaf peut-il te chalet? Il faut mettre du trellet. Ah, Kvodarav! Ma, un talit
qui est entièrement très, il est pas peut-être tatsmo. Ken, comment il a dit le cas, je suis un peu même boulebal, t'es où, mazé, amal encore, talit, j'ai coulé très lettre, et n'a peut-être tatsma. Un talit qui est tout très lettre, il s'acquitte pas, lui-même. T'es obligé de mettre en plus encore un fil de très lettre. Il est tout en très lettre. Alors, s'il n'est pas en très lettre, comment quatre fils peuvent l'acquitter? Hein, Kouchia, gros, là, hein? Korach, il y croit, ça, Kouchia? On a dit Korach, il n'était pas bête. C'est quoi ces couches à tête de franc là? Qui c'est qui peut tomber dans le piège? Ceux qui écoutent la tournure de la phrase. Pas le sens de la phrase, faites bien la différence. La tournure, le ton avec lequel elle est dite. Ça s'appelle les tsanout. Hein, Godara? Celui qui entend ce ton-là, ce son de cloche, lui peut tomber dans le piège. Pourquoi? Parce que cette manière de parler annule le sens de la logique. Il n'y a plus de logique. Il y a de la rigolade. Quand il y a de la rigolade, il n'y a plus de logique. C'est fini. Le cerveau ne réfléchit plus. C'est très profond. C'est ça le secret de la Betsanout. Il ne s'en est pas arrêté là. Il lui a dit, Vodarav, une autre couchia, devant tout le monde. Vodarav, si dans une maison j'ai une pièce, il n'y a que des siffrés Torah. Pas une synagogue, pas un Bet Midrash. Dans une pièce, chez moi à la maison, j'ai une pièce, Baruch Hashem, j'ai une collection de Sefer Torah, le Sefer Torah de Ezra Sofer, j'ai le Sefer Torah de Baba Sani, j'ai le Sefer, que des Sefer Torah, il n'y a pas un meuble, il n'y a rien, il n'y a que des Sefer Torah. Il faut mettre la mezouza de Bodarav. Qu'est-ce qu'il a répondu, Moshe? Rayab. Il n'a pas répondu comme on répond aux apicours. Oui, des trucs de. Rayab, Rayab, Zartakato, Rayab, Tishtok. Il dit Bodarav. C'est quoi la mezouza? Deux parachiotes dans la Torah. Deux parachiotes dans la Torah. Nakel, Shema et Vayem Shamoa. C'est la mezouza. Si une maison pleine de Sifre Torah, où il y a toutes les parachiotes de la Torah, inclus ces deux parachiotes-là, même plusieurs fois, oui, il faut quand même. La mezouza, il n'est pas acquitté de la mezouza. C'est quoi c'est le sens de cette mezouza-là? Si je voudrais dire le cas de Romain. Quand la Torah kula en apoteret et abaik. Toute la Torah elle-même n'acquitte pas la maison. Toute la Torah, elle n'acquitte pas. Deux parachutes, elles acquittent. Ah, mais ça, c'est une blague. Kouchia. Qu'est-ce qu'il a dit, mon cher, à ça? Rien, c'est tu. Aval, là, Korach a réussi à mettre du venin. Du venin, la mâche. Dans le cœur de l'armée Israël. Du venin. Très intelligent. Qu'est-ce qu'il a dit Korach pour conclure son scénario? Ah, Dvarim Elu l'anistavita aleh. Ces choses-là, c'est pas Hachem qui te les a dites. C'est pas Hachem. Ça, c'est toi qui as inventé. Mezouza, c'est toi qui as inventé. Trelet, c'est toi qui as inventé. Sinon, dis-moi, c'est quoi la logique? Comme ça, il a dit. Tout ça, on comprend c'est quoi le mania. Comment dire le français le mania? Le moteur de Korach, c'est quoi? On a déjà dit, la jalousie. Tout son scénario là, Korach, c'est la jalousie. Et pourquoi il a décidé d'employer ce moyen-là? Parce qu'il est intelligent. Et il sait que la Letzanout peut faire tomber des gens qui sont un peu moins intelligents que lui, peut-être, mais qu'en faisant ça, Pachout. Anesthésie. Je fais une anesthésie de la logique. Puis ça, c'est pas ça. C'est ça, la Letzanout. Letzanout, c'est faire une anesthésie de la logique. Après, quand l'anesthésie passe, un homme, il reprend ses esprits. Mais ce qu'il a fait en attendant, c'est irrattrapable, irrécupérable. Et Korach, il voulait anesthésier un peu la logique de tout le monde pour en faire un parti politique. Comment je leur fais éteindre le cerveau? Comment je fais? Tu veux éteindre le cerveau de quelqu'un? Letzanout. Tu fais de la Letzanout, tu plaisantes. Une plaisanterie, une vanne, une rigolade, une manière de ironique de présenter les choses. Et là, tu as éteint le cerveau, déjà de celui qui le fait, et de celui qui l'entend aussi. Tu lui as éteint son cerveau, c'est fini. Encore, dans le même sujet avec Korach.
Le pasouk dit à Moshe, kach et alvim, vetiharta otam, tu les purifieras. Il faut purifier les levim. Vechot aase lahem le taharam. Maintenant, pour les purifier, voilà ce qu'il faut faire. Mais aiviru tahar alkol besaram, il faut les raser tout leur corps, de la tête aux pieds. Il faut les raser entièrement. Veïté Haru, et en ça, ils seront purs. Qu'est-ce qu'il avait mangé tout de suite? Korach, c'était un Lévi. Et c'est au Lévi qu'il fallait faire ça. Il a pris les Léviim, il a pris Korach, et il lui a rasé tout son corps. Comme on a dit, les cheveux, la barbe, et sans barbe, Korach sans barbe. Plus de barbe, plus de péote, plus rien du tout. Plus de cils, plus de sourcils. Il fallait tout raser de la tête aux pieds. Après que Korach a été morède Bémoshé, il s'est retrouvé comme ça, comme un, je sais pas, un poussin qui a tout rasé. Il est parti voir Am Israël. Il a tourné chez Am Israël. Le même principe. Oui, là, il est en train de monter son, comme on a dit, son groupe. Il est parti voir Am Israël et les gens ne le reconnaissaient pas. Ils s'approchaient d'eux comme ça pour qu'il... C'est qui ça? Okay. Et Korach. Ah, Korach! Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Il dit, ouais, t'as vu ce qu'il m'a fait manger? T'as vu ce qu'il m'a fait manger? Okay. Il m'a rasé tout! Mais tu sais pas, c'est pas ça, c'est pas que ça qu'il m'a fait. Il m'a attrapé. Aaron, par les mains et les pieds, il m'a balancé en l'air, dans tous les sens, comme ça, comme un yo-yo. Il m'a dit, maintenant tu es pur. Rigolade, il a fait de la rigolade. Il m'a balancé à Aaron. Comment tu fais de la rigolade de la Hanafa? Ça, c'est la Tnoufa de Lévi'im. C'est quoi ce passage-là dans la Torah? Pour les purifier, les Lévi'im, à part le fait de les raser, il fallait leur faire la Tnoufa. Comment on fait un korban? Quand on importe un korban, le Kohen prend le corban dans ses mains et il le balance en haut, en bas et dans les quatre points cardinaux. Comme ça, il fallait faire avec les Lévi'im. Les Lévi'im, c'est comme le corban pour Hachem. Ils ont pris les Lévi'im eux-mêmes et ils les ont balancés, comme on fait au corban. Alors Korach fait tout ça de la rigolade. Oui, il m'a pris par les mains, les pieds, ils m'ont balancé en plus. Ils m'ont dit, Tahor, c'est quoi cette secte? Comment Korach peut rigoler sur la Tnoufa? La Tnoufa était un Nes. Rabbeinu Mechaye dit que c'était un Nes Galoui. Aaron HaKohen a fait la Tnoufa en un jour à 24 000 personnes. Un homme, Ken, fait comme ça avec une barre de musculation. Fait comme ça. Fait 1, 2, 3. Combien il y a dans la barre? Entre 80 et 150 kilos. Allez, fais avec 80. Tu sais quoi, je vais te voir avec 20 kilos. Pas 80. Ah, c'est 80 kilos. Fais comme ça, 80 kilos. Prends une barre comme ça, avec 80 kilos. Déjà, une fois, quelqu'un peut lever une fois. Alors, disons, il peut lever une fois. Okay. 10 fois, 20 fois, 30 fois, 40 fois, 50 fois, 100 fois, 200 fois, 300 fois. Vous savez, comme ça, pendant 12 heures, sans bouger. 80 kilos. Dans les 400, tu prends la voiture. Ça n'existe pas sur Terre. Un homme qui peut faire une chose pareille. Le Rav, ailleurs, dans un autre endroit, il fait le compte. Combien de Lévi'im, d'abord, même si tu peux le faire, tu ne peux pas faire 22 000 personnes en 12 heures. 22 000 personnes. Imaginez-vous une queue de 22 000 personnes qui viennent et en 12 heures, il faut tous leur faire. La Tnoufa, 6 gestes. En haut, en bas et aux quatre. Même si tu trouves la personne qui arrive à porter 100 kilos comme ça pendant 12 heures d'affilée, tu ne trouves pas comment ils peuvent faire ça à 22 000 personnes. C'était plusieurs personnes par toutes les 3 secondes, 4 personnes. Je ne me rappelle pas exactement du calcul, mais c'est inhumain. C'était un esgaloui. Tout le monde sait que c'était un esgaloui. Comment tu peux te moquer de ça? Encore une fois, c'est le principe de la lettre. On peut se moquer de tout. De tout, même d'un miracle, on peut se moquer. Ça veut dire que la moquerie va complètement effacer
l'ampleur d'un miracle. Jusqu'à maintenant, c'était merveilleux, tout le monde regarde comme un fou. Vient un, il fait une plaisanterie, tout cet émerveillement-là disparaît d'un coup. Pourquoi ? La rigolade. C'est quoi la force de la Letzanout ? C'est quoi la force de la Letzanout ? C'est énormément puissant et grave et effrayant. Et encore un autre, un dernier endroit et on termine. On a eu Ben Isha à Israélite. Oui, un homme eu deux fois mis à mort dans la Torah. Un avec le Mekoshe Shetzin. Et un va être Ish Israéli, Ben Isha Israélite, etc. Qu'est-ce qu'il a fait celui-là ? Celui-là, il est pire que le Mechal Hashem. Celui-là, il a maudit Hashem. Va y Kalel, il a maudit Hashem. C'est pas Korar, ça. C'est... Il a maudit Hashem. Comment c'est possible ? Alors là aussi, Chazal ne nous laisse pas comme ça avec des étonnements. Mais comment on fait, Chazal Shalom, un homme peut arriver à maudire Hachem ? Ken. Comment un homme arrive à ça ? Katou, Vayetze ! Vayetze, Ben Isha Israélite ! Vayetze ! Il est sorti. D'où il est sorti ? De la porte, de l'ouverture de la lettre He. Il est sorti, comme Chazal nous dit, Vayetze, Amar Rabbi Levi. Mais en la Moyatza, il est sorti de son monde. C'est bidouk la lettre He, il est sorti. De lui-même, il est sorti. Tov, qu'est-ce qui a entraîné qu'il sorte ? Pourquoi il est sorti ? Ça aussi, Chazal nous disent. Il a vu l'Echem HaPanim. On a une mitzvah dans la Torah, au Beth Amikdash, de mettre l'Echem HaPanim. C'est quoi l'Echem HaPanim ? C'est le pain sacré, Kadosh. Chazal nous disent que quand il y avait tout le monde montait au Régel, allié à la Régel, on prenait le pain du Beth Amikdash, le Kohen prenait le pain et le montrait au peuple. Et regardez, il leur disait, regardez comment Kadosh Baruch Hu vous aime. Regardez ce qui se passe au Beth Amikdash. Un pain qui est, quand on l'enlève, comme au moment où on l'a mis. 7 jours sont passés, il reste chaud, frais. Regardez l'initiation qu'Hachem vous fait. Mais celui-là, qu'est-ce qu'il a fait ce Mekalel ? Il a vu l'Echem HaPanim. Il dit, c'est quoi cette histoire ? Quoi ? Un roi, normalement, il mange un pain frais qui vient d'être fait un jour. Quoi, tu donnes à manger à un roi pendant 7 jours le même pain ? Et ça note. Peut-être que c'est débile de dire une phrase pareille. Mais si on le dit d'une manière un peu rusée, si on le dit un peu ironique, un peu maligne, okay, cette phrase-là, elle peut faire des ravages. En soi, c'est pas logique. Mais la manière de le dire, ça peut faire des ravages. Ça s'appelle la Letzanout. Il a fait de la Letzanout jusqu'à où il en est arrivé. Il en est arrivé jusqu'à maudire Hachem. Combien il faut faire attention à ce Inyana de Letzanout. Et on est malheureusement loin, loin d'être protégés, surtout nous les Français, loin d'être protégés par ce danger-là. Très loin. Par rapport à nous-mêmes aussi. Ah, que quand on entend. Par rapport à nous-mêmes, parfois un homme, il a ce qu'on appelle gavut haruach, il a gasut haruach, son ruach il devient gas. C'est pas de la gava. La gava c'est de l'orgueil, il aime pas quand on le rabaisse, ou il cherche à avoir un poste important, ou ça. Ça c'est de la gava, de la kina, etc. Avant, il y a pire que ça. Il y a pire que ça. Ça s'appelle gasut haruach. Gasut haruach, c'est un état d'esprit qui est très hautain. Oui, l'homme. Il se prend pour je sais pas quoi. Et ça arrive, il y a des humeurs pareil, il y a des moments où un homme passe dans cette phase-là d'état d'esprit où il a une humeur pareille, où il est bien, il est trop bien. Et quand il est trop bien, il se permet. Ça peut venir même de la Torah, comme la Gemara qu'on entend à Anit. Achacham, il est sorti avec son maître, il a étudié, il a vu quelqu'un très moche, il a commenté aussi, moi j'en ai fait un chiot sur ça. C'est Gassot Arouach. Même que ça vient de la Torah. Il a été propulsé dans des sphères très supérieures, très élevées, que ça lui a fait un peu oublier les bonnes manières. Il dit que le monde est aussi moche. Comment tu peux être aussi moche? Il lui a dit. C'est lui un avis qui est venu pour justement lui le faire descendre de son arbre. Alors ça peut venir de ça. Ça, c'est les Tzanout. C'est ça, les Tzanout. Ça peut, Chas v'Shalom, être chez nous aussi. C'est pas ça peut. Malheureusement, ça y est. Nous aussi, on passe des moments de Letzanout, Chas v'Shalom. Cette Letzanout-là, comment elle est dangereuse, elle peut nous entraîner à faire des massimes de Korach. Elle peut nous entraîner, Chas v'Shalom,
à des mazines de Mekalel. Un homme peut rejeter toute la Torah avec cette litanie. Qu'est-ce qui protège de ça? On revient toujours à la même chose. Le Moussa. Le Moussa. Un homme étudie le Moussa. L'étude du Moussa ne fera pas qu'il sera toujours Yerei Shamayim. L'étude du Moussa ne fera pas que, même quand il ferme le livre, il sera comme si le livre était ouvert devant lui. Allez, quand on étudie du Moussa, sérieusement, comme il faut, on prend un livre de Moussa et on ouvre et on fait un bon limoud, avec une bonne vécoute, Bakadash Borou, avec des pleurs, avec, même s'il n'y a pas de pleurs, comme il faut. Comment un homme se jure d'être tzadik? C'est le seul homme, ce que je fais, tzadik, regarde ce que je gagne, tzadik, tzadik, Kodesh Kodesh, pardon. Le problème, c'est quand il ferme le livre et replonge dans le train-train quotidien. Oui, c'est quand il se comporte, il ressent la même chose que quand il était devant le livre. Non, il a oublié le chasque. Là, il ne s'est pas complètement détaché. Ce Moussa, là, qu'il a étudié, qu'il a propulsé vers une prise de conscience où il faut être sadique, il faut faire attention. Faire attention à ses actions, comme on voit maintenant le danger. On lit la paracha Stam, on lit la paracha Shabbat de Korar. Tous les ans, on lit la même paracha. Pourquoi Kadosh Baruch Hu nous dit de faire ça? Parce que dans cette paracha-là, on nous dit, attention, il y a un danger. Il y a un tzivouï de Horaïta. C'est une de 613 mitzvot. Velo yek korach de karadato. Il y a un ordre dans la Torah, ne sois pas comme Korach. Fais attention, s'il y a un ordre, ça veut dire qu'il y a un danger de l'être. Velo yek korach de karadato. Chafetz Chaim m'amène beaucoup ce tzivouï-là. Dans l'union de la machloket, etc. Alors, quand on va étudier du Moussa, c'est vrai que parfois on aura des humeurs comme ça, de Bitsanou, des humeurs de Gav. Malheureusement, on a des midotes. Aval, ça a laissé une trace. Ça a laissé une trace, et cette trace-là que ça a laissé chez toi dans ton cœur, le Moussa que tu as étudié, va faire en sorte qu'un homme ne sera pas complètement sorti. Il ne pourra pas sortir du Hé. Il restera dans les barrières du Hé. Même s'il a perdu une petite distance, il se rapproche un peu de la porte, il ne sortira pas. Le Moussa le préserve à l'intérieur. Il reste à l'intérieur. C'est marqué dans son nefesh, dans son échama, l'importance de l'avodat Hashem, l'importance de faire attention à soi-même, l'importance de terminer son olam hazeh à 120 ans propre, de rendre son échama propre. Il y a un tafkid dans ce monde. Et il se le répète, il se le répète, il se le répète. Même au moment où on l'oublie, oui, il y a même les grands psychologues et psychiatres, il y a le subconscient. Dans le subconscient, c'est inscrit là-bas, c'est inscrit. Ça fera qu'un homme, naturellement, il aura une limite. Et même s'il est tombé, il n'est pas tombé jusqu'à un moment où il ne s'est pas rattrapable. Il est tombé, il se relève. Il tombe, il se relève. Qu'est-ce qui peut le préserver? L'étude du Moussa. Un homme qui étudie le Moussa, bien comme il faut, alors Bezrat Hashem, il sera préservé tout le long de sa vie. Le danger est quand on se déconnecte du Moussa. Et on vit sur nos propres batteries. Voilà, là c'est le plus dangereux du monde. Il peut rester tzaddik, il peut étudier toute la Torah, il peut étudier tout le chasse, il peut connaître tout ce que vous voulez. Alors, si au niveau des midot, il n'y a pas un travail qui est fait, il n'y a pas un entretien, alors on arrive à ce shalom, à Korach. On arrive à la kina. Cette kina-là, elle n'a pas de limite. Le moussar fait qu'il y a un entretien. Il y a des midot, les annuler complètement, je ne sais pas si on est capable. Mais il y a un entretien, il y a une limite. Elles sont dans une clouve, comment on dit, dans une cage. Il y a la gava, elle est dans une cage. Il y a la tremda, la tava, tout est dans une cage. Ça existe, c'est là, qu'est-ce que tu veux faire? Des fois, ça sort un peu, et c'est dans une cage, c'est géré. Amen.